Bienvenue au Hayan, où chaque rue, chaque place, chaque quartier de notre belle commune est un espace partagé. Ici, vivre ensemble n'est pas simplement une idée, c'est une réalité que nous construisons chaque jour. En 2023, notre ville a fait le choix de réduire la vitesse des automobiles à 30 km/h. Une décision réfléchie pour aller vers une ville apaisée où on doit pouvoir se déplacer en toute tranquillité en respectant les autres. Des pistes et des bandes cyclables invitent les cyclistes à parcourir la ville en sécurité. Des trottoirs élargis offrent un accès facile et protégé à nos aînés, aux personnes handicapées ou aux poussettes. Nous souhaitons conserver un esprit village. Des rues sont fermées lors d'événements pour favoriser des moments de partage. La rue aux enfants a transformé la rue de l'Océros en espace de rencontre, de jeu, d'apprentissage et de découverte, où le rire des enfants a résonné et les liens se sont renforcés. Tourné vers l'avenir, le bus express sera une nouvelle alternative à la voiture pour nos déplacements en 2024. Un moyen rapide, efficace et confortable permettant de relier notre centre-ville à la gare de Bordeaux en moins de 40 minutes. Ensemble, nous construisons une ville où chacune et chacun a sa place, à l'image de notre nouvelle mairie qui vous accueillera dans un espace agrandi, modernisé et adapté à tous les publics. Parce qu'au Hayan, le bien vivre ensemble est bien plus qu'un idéal, c'est notre ADN. Les élus du conseil municipal se joignent à moi pour vous souhaiter une excellente année 2024, solidaire et apaisée.